C'est avant tout une histoire de passion. C'est pas quelque chose que vous laissez de côté quand vous rentrez chez vous le soir. On veut pouvoir proposer une gamme assez large pour que les gens puissent acheter du vin à emporter chez eux. Et puis après, dans un deuxième temps, on veut leur proposer aussi de pouvoir goûter les vins sur place, d'une façon très large. Alors large, évidemment, dans la gamme choisie, dans le nombre de références proposées et du monde entier. Et large aussi dans les moyens qu'on met à leur disposition pour pouvoir goûter le vin. Alors le moyen le plus visible ici et le plus important, c'est les machines œnomatiques qui nous proposent de goûter les vins à partir d'une petite dose jusqu'à un grand verre. On a choisi la carte tapas et l'idée aussi, la deuxième idée de la tapas, c'est le partage. On propose des plats qui sont à partager entre les différents convives qui sont ici en fait. Vraiment comme l'idée du vin en fait, hein. Le vin se partage, vous ouvrez une bouteille, vous trinquez. On tient vraiment à garder le vin à l'honneur, quelle que soit la formule choisie pour le déguster. On a envie que les gens ne se sentent pas dans un restaurant en fait. Et ça modifie considérablement la façon de goûter le vin. Et ça modifie aussi le comportement de nos clients. Vous avez envie d'appeler votre copain viticulteur pour savoir comment s'est passé ces orages de grêle qui sont venus sur son terroir. Vous avez envie de savoir en fait la vie de sa vigne. Vous avez envie de savoir tout ça pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'effectivement, la vie des gens qui produisent le vin est très importante pour vous. Et ensuite, les informations que la personne va vous donner sur une année proprement dite, va vous donner des informations sur le vin que vous allez goûter l'année suivante. Et si vous n'avez pas ce contact avec les gens qui font le vin, vous avez pas ça. Vous perdez 70% à 80% de l'intérêt du vin en réalité. Parce que le vin, c'est vraiment raconter des histoires. Et c'est vrai que ma naissance dans un pays viticole m'a énormément aidé à parler du vin parce que je savais comment il était fabriqué. Je parle très peu du goût en fait quand je parle du vin. Je parle plutôt de l'histoire des gens qui l'ont fait, de l'histoire de l'endroit où le vin a été produit.